Bonjour, je suis aujourd'hui à Lisdieu où je viens rencontrer Émilie Sage de la ferme d'Émilie, une très belle exploitation où se côtoient permaculture, élevage de brebis, vente de produits locaux en circuit court. Un très bel endroit que je suis ravi de découvrir et surtout impatient de découvrir. On a repris l'élevage familial de moutons et on l'a augmenté la taille en faisant des solognottes. C'est une race qui est menacée de disparition. Elles ont une viande persillée, elles ont une jolie couleur de laine. Vous voyez mon pull, donc ça c'est un pull de laine solognotte, donc on valorise la laine. Vous avez développé d'autres activités, vous pouvez nous en dire un mot? On savait que l'élevage en soi ne suffirait pas à faire fonctionner la ferme, donc on s'est diversifié, notamment en permaculture. On a des aromatiques, des fruits rouges, quelques cultures légumières, et donc on les valorise en produits transformés, sorbet pour les fruits rouges, tisane, que sais-je. L'été on fait un petit peu de restauration, tous les midi avec les produits de la ferme. Un des principes de la permaculture, c'est d'éviter de générer des déchets, le moins de déchets possible. C'est aussi de faire en sorte que les activités de la ferme entre elles s'entraident. On essaie de reproduire la stabilité des écosystèmes naturels notamment. Donc pour éviter d'avoir des déchets, par exemple, ça va être le fumier de mouton n'est plus un déchet, va servir à apporter de l'azote au sol. La laine, on ne la jette pas, on la valorise en pull, mais elle peut aussi servir à faire du paillage sur les buttes de culture. Ça apporte à la fois de l'azote, ça garde l'humidité. Donc voilà, on essaie de réfléchir un petit peu à des vases communicants dans nos ateliers. C'est assez gratifiant aussi d'entrer dans cette réflexion-là et de valoriser au maximum toutes les cultures ou les productions qu'on fait. Bon retour. Merci beaucoup de votre accueil. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.